Sordine a essayé de causer avec changement climatique. Je crois, pareil moi-même, personne pas trop comprend ce qui était. Seulement nous connaît son conséquence. Nous connaît s'il y en a trop beaucoup la pluie, nous pouvons gagner une inondation. Si nous n'avons pas la pluie, il y en a trop beaucoup de stress. Et nous connaît son conséquence dans tout ce qu'il nous peut faire. Donc ça veut dire, Zordi nous connaît, faudrait nous prendre nos précautions. Pareil, longtemps dit Montifère, les temps autres construisent autres la case, autres imaginer, qui manière autres protègent autres les corps, qui manière autres construisent autres la case, avec ça qu'ils autres n'ont. Mais premier quelque chose, faudrait prendre précaution. Zordi, à cause changement climatique, Nadir, tout nous, l'idée qui nous tient là pour construire la case, Zordi, il y a une autre manière. Nous pas prendre trop beaucoup d'ibois, à cause ils mettent longtemps pour pousser. Ça d'ibois, il protège nos sols, il protège nous de l'eau, et ça a hein, quelque chose qui est vraiment très utile. Donc nous, on a deux, j'allais dire, problèmes majeurs, qui n'est pas lié avec la case directe, mais c'est sûr que c'est un problème qui concerne le changement climatique. Nous besoin pied d'ibois, nous besoin arrange nos rivières, nous besoin arrête gaspiller tout ça qui nous en a. Nous besoin arrête pas nous m'a pas dire progrès, mais il faudrait qu'ils enfants Zordi, je t'apprends ferme la porte, éteins la lumière, veille de leurs autres camarades. Vous comprenez, c'est un quelque chose qui est vraiment mondial. Dans le monde entier, Zordi, tout du monde peut causer changement climatique, il y en a problème, faudrait nous prendre nos précautions. Dans Maurice, qui précautions nous capables de prendre? Il y en a déjà beaucoup qui nous fait commencer. Nous, un peu en avance dans la région, nous solidaires avec les autres pays. Nous, bien comprendre qui manière pays dans le nord, ils ont industrialisé, ils ont une quantité de problèmes, la fumée, déchets, qui sont capables de gérer. Nous, nous commençons par ce qui nous compte faire. Vrai, nous pas capables d'arrêter de progrès. Dans Maurice, nous bien voir, les gens vivent mieux, les enfants hyper gâtés, les autres peuvent utiliser quantité quelque chose qui normalement n'ont pas besoin, qui coûte cher dans le pays. Donc il faudrait qu'ils nous paient, retournent dans la case, depuis son début, manière du monde faire, les autres vraiment économes à l'époque, les autres bien faire attention. Par exemple, si vous prenez l'architecture créole, qui vient avec premier français qui viennent depuis la Normandie dans un bateau pour installer dans Maurice. Les autres pays construisent la case pour protéger les autres les corps, à manière de qu'on faire. Les autres faire un bâtiment avec, par exemple, vous connaissez, tous les murs, c'est des doubles cloisons. Les autres pays mettent un peu en l'air pour faire l'aération en bas la case. On va dire, moi, c'est un peu les rats, mais pas mal. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Les autres peuvent mettre petit, à cause du cyclone, les autres mettre petit carreau la fenêtre. L'étang, ça c'était l'étang. L'étang bande indienne est arrivé, les autres ont une technologie aussi. Les autres nous dire, mais attendez, ou bien faire avec ou cloison, mais ou pas prendre en compte manière soleil et orientée. Il faudrait orienter la case, manière ou pas dans du vent suède, du vent nord-ouest, moi pas connais, et faire un petit lavarangue. Lavarangue, il n'y a pas un besoin de quelque chose qui isole, il y a quelque chose qui est capable, qui vous protège vous, et vous capable de vivre dehors. Ça aussi, c'est un quelque chose culturel. Tout le monde n'est pas capable de rentrer dans la case. C'était un endroit de social. C'était un endroit de commerce, c'était un endroit de méditation. Donc moi j'ai trouvé que dans l'architecture traditionnelle de type créole, il y avait des avantages climatiques et il y avait des avantages sociaux dans cette forme de construction où chaque groupe ethnique qui est venu avec son savoir-faire. Aujourd'hui on fait des maisons plutôt en ciment, mais aujourd'hui, si les maisons devaient être détruites, qu'est-ce qu'on ferait de ce ciment? Alors que les maisons anciennes,
vous récupérez les pierres, vous récupérez le bois et vous pouvez reconstruire une maison. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit se réadapter, on doit réadapter l'architecture familiale ou industrielle ou administrative selon des nouveaux critères qui sont liés au changement climatique, qu'ils respectent ça, l'engagement Kinwena contre le changement climatique, contre l'économie des énergies fossiles et les remplacer par des énergies renouvelables et j'allais dire infinies. Étant nous cause changement climatique, il faudrait nous comprendre qui faire ça phénomène y exister. Et nous devrions faire bien attention si nous pas pour une victime de ce changement climatique. Les temps glaciers péfondent, des eaux peuvent monter, sans parler de toute bonne pollution qu'il y en a dans la mer. Nous avons déjà trouvé bonne tortille la mer, pris dans filet. Nous avons déjà trouvé la pollution plastique qui envahit nos ports. Ça veut dire nous responsables, ça, quelque chose. Il y en a aussi un quelque chose qui est plus difficile pour comprendre, qui appelle l'effet de serre. Ça, il y a un grand danger. L'effet de serre, il existait, il est nécessaire, à cause de rayons qui nous appellent ultraviolets, rayons soleil. Si tu en as, si pas tu en as, ça couche l'ozone qui bien sépare le soleil de la terre, nous peut brûler. Mais l'effet de serre, il fait sa qualité gaz qui peut casse-nias, faire un trou dans lequel la chaleur soleil peut rentrer et peut faire désert, peut augmenter son impact que la population y était. Quand il était désert, peut grandir. Ça veut dire population, ils ont besoin d'immigrer. Quand ils ont pu aller, qui ont pu manger, ils ont bétail peut mort, ils n'ont pas l'air pour pousser. Ça veut dire ça troue l'ozone dans l'atmosphère. Il concerne nous tous. Ça veut dire si nous pas sortis-nous les corps de la coquille, nous aussi nous pouvons souffrir. Dans Maurice, il y a quelque chose qui est bien expliqué pour le moment dans le système de l'éducation, qui avant pas t'y prend compte tout ça bande quelque chose. Aujourd'hui, Zotpé commence à m'asiner, il est très important, plutôt qu'apprendre dictionnaire par cœur, apprends à survivre, apprends à faire un jardin, apprends à isoler ta maison, apprends à manger local. Apprends à cultiver local. Vous apprenez aux enfants pour planter. Il n'y a pas quelque chose de très compliqué, les enfants peuvent amuser, mais les temps sont grands, vous comprenez quelle manière une plante pousse. Tout plante pas pousse en même temps, pas même manière, pas même racine. Et après, il y en a quand c'était quelque chose qui plante médicinale, qui nous oubliait à cause qu'il y en a toute sa bonne pharmacie. Aujourd'hui, nous n'est plus servi sa plante médicinale. Ensuite, il y a toutes sortes de plantes. Il y a toutes sortes de jardins, même des jardins suspendus, même des jardins secrets. Alors, comment on va appréhender le jardin? Tout le monde n'a pas beaucoup d'espace pour faire son jardin. Les méthodes modernes disent qu'il faut habiller les murs de plantes. D'autres disent qu'il faut tapisser nos toits en béton de plantes, de gazon, de fleurs. D'ailleurs, c'est simple. Depuis l'Antiquité, on offre à un vainqueur des fleurs. Si on aime quelqu'un, on lui offre des fleurs. Et si on n'a pas de jardin, eh bien on les met dans des petits pots. Ou alors, on en invente en papier. Ça qui, on peut dire, manière nous manger, ça qui nous produit, par exemple, et particulièrement mauricien. En particulier à la campagne, je très bien connais ça qui poussait, si Brett Malbar, si Brett Martin, si toute qualité Brett qui pousse dans la nature, qui nous sont capables de servir. Même Brett Songe, il y en a qui faut faire attention, pas tout qui est comestible, mais nous bien connaît toutes nos plantes, tout ça qui est capable de nourrir son immune dans sa famille. Ça veut dire pas moi tout seul qui en a sa qualité de comportement. Pourquoi me dire ça? À cause si Zotpé comprend qu'il y a quelque chose de vraiment utile pour l'avenir, pour leurs enfants, faudrait Zotpé, doucement, doucement, Zotpé apprend
à manger comme si sainement, pour dans la santé, il va introduire en qualité la culture qui dit mauricien longtemps et qui nous besoin remettre en cours. Pareil nous dit dire pour la case, nous besoin reprendre tout ça qui fait nous l'identité fière. Bio, c'est à la mode, tout le monde en parle. Et c'est quoi bio? Eh bien bio c'est bête, c'est la nature, c'est nous, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est les oiseaux. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par bio? Les gens mangent bio. Est-ce qu'ils vont manger, on ne va plus rien manger? Est-ce qu'on ne peut plus manger des animaux? Est-ce qu'on ne peut plus manger des plantes? Parce qu'elles ont tous une âme. Je pense que le terme bio mériterait d'être redéfini à son sens original. Et bio est naturel. Donc, nous devons penser naturel, ne plus jouer sur des mots qui ne profitent qu'aux commerçants. Bio, maintenant, veut dire argent. Vous achetez un produit bio, il est deux fois plus cher qu'un autre. Bio, il n'y a pas d'engrais. Ah bon? Et bien, comment est-ce que vous allez pousser des plantes s'il n'y a plus d'animaux pour avoir du fumier? Si on n'a plus des engrais naturels, parce que maintenant, on n'a plus d'engrais naturels. Il faut qu'on ait droit à des choses achetées qui viennent d'ailleurs. Nous, à Maurice, on est un tout petit pays. On ne peut pas se permettre ce luxe. Si on veut être bio, il faut rester comme les anciens, planter dans son jardin, manipuler la terre nous-mêmes, à la main si nécessaire. Et puis arroser, quand même, le don de Dieu, c'est l'eau. On a la terre, mais sans l'eau, on n'a rien. Donc nous devons économiser l'eau. Et c'est ça, être bio. C'est avoir le sens de l'économie des sols, de l'économie de l'eau, de l'économie des plantes que nous allons cultiver, parce que on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir, comme dans tous les grands pays, des surfaces incroyables. Donc il y a des choses que l'on ne peut pas faire ici. Il vaut mieux revenir aux vieilles méthodes. Sauf que les vieilles méthodes, c'est les vieux. Et il n'y en a plus des vieux, ils ne savent plus travailler comme ça. Ah ben nous voilà bien. Donc les jeunes actuellement ont compris que si on voulait travailler bio, il fallait réfléchir à des méthodes modernes. Sur des vieilles bases, d'accord, traditionnelles, mais sur des méthodes modernes. C'est-à-dire que ne pas fouiller la terre trop profond, créer des petits canaux entre les terres que l'on surélève, de façon à ce que le cycle de l'eau soit naturel. Et en parlant du cycle de l'eau, par exemple, il est clair que le bio, ce que nous appelons vraiment bio, c'est le respect du cycle de l'eau. C'est le respect de la propreté de la nature. C'est oublier ou expliquer aux enfants de ne rien jeter dans la nature. Toute la pollution dégrade l'eau, dégrade les plantes qui s'en nourrissent et par conséquent dégrade notre nourriture que nous absorbons. Et ça, c'est un constat général. À Maurice ou ailleurs, c'est le même constat. Les jeunes, aujourd'hui, ont pris fait et cause pour le bio. Pas parce que c'est la mode, c'est parce qu'ils ont compris qu'il était de leur responsabilité d'entretenir la terre, les arbres, les plantes, et de ne pas polluer rien, ni les rivières, ni les sources d'eau. Donc les engrais devraient être naturels, et ça existe. Donc je ne connais pas l'équilibre qui se produit, mais il y a certainement, en dehors du changement dit climatique, il y a certainement une grande évolution qui est la conséquence de nos actes précédents qui n'ont pas pris compte du soin de la terre, de la nature en général. Lorsque l'on parle de bio, je crois que tout le monde peut faire un geste. C'est pas difficile. Qui dans un cajot, qui dans un petit pot, peut avoir
ses propres productions, au moins pour la maison. Donc, je pense qu'il est de notre devoir de bien recycler tout ce que nous avons. Par exemple, la paille du thé, le marc de café, les pots de banane en particulier, qui sont particulièrement riches pour le sol, et ainsi de suite. Donc si chacun d'entre nous fait un petit geste, on va y arriver. On n'aura pas besoin des grands épandages. Il suffit que chacun ne jette pas à la poubelle n'importe quoi. En fait, il ne devrait presque plus y avoir rien, à part les boîtes de conserve vides ou des choses, ou les plastiques. Même les bouteilles sont recyclées, tout était plus ou moins recyclé. Donc, c'est vraiment le message que j'aurais à passer, c'est de dire aux gens, ne jetez plus rien à la poubelle. Faites-vous des petits sachets de tout ce qui peut être utile à la nature. C'est peut-être ça le message le plus important. Les jeunes, maintenant, l'ont compris. Ils font très attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils jettent, et je crois qu'il faut leur donner une chance que cette chose-là s'applique dans la vie commune. Tout le monde a un petit geste qu'il peut faire. Et si chacun le fait, on n'aura plus besoin de ces grands comités internationaux, on n'aura plus besoin de ces grandes conférences sur les changements climatiques, sur toutes sortes de choses. Il suffit que chacun pense chez soi, pour lui, dans sa maison. Et on va y arriver comme ça. C'est comme si tu donnes la main à quelqu'un qui donne la main à quelqu'un qui donne la main à quelqu'un. Pour prendre conscience de l'effet des petits gestes à l'effet international, il est, je crois, très important de réaliser tout ce qui est polluant autour de soi et de non seulement de s'en débarrasser, mais surtout de ne pas en acheter. Donc, je crois que maintenant la mode est au vrac pour ne plus avoir des plastiques pour emballer les choses. Je crois qu'on ne fait plus les calibrages des pommes, des oranges, des fruits que l'on achète. C'est comme ça vient de votre verger. Et je crois que ça aussi c'est un nouveau pas dans la façon de vivre, de protéger l'eau, de protéger les forêts, puisque nous dépendons de ces éléments-là. Changement climatique, il y en a un petit effet dans nos jardins. À l'année, il y en a beaucoup sécheresse, gazon et vine zone. Il n'est plus intéressant. Ça veut dire que vous devrez être fier aux jardins. Il y a quelque chose qui est pareil aux olilins. L'étang aux jardins, il joli, il bien entretenu, il bien coupé, etc. Il pareil l'étang où mettre un joli sari pour un mariage. Ça, c'est une façon bien mauricienne de voir la beauté dans son pays, si vous commencez côté vous-même. C'est pour ça que nous donnons beaucoup l'importance, pas tellement dans plantes qui fleurissent, dans espèces endémiques en particulier, qui en danger, qui n'est pas trop existé. Nous n'essayons, quelquefois, il peut mettre 50 ans pour pousser, mais on n'a pas mal. C'est un paradis. Tout le monde peut espérer elle dormit dans le paradis, et qui nous appelle Jardin de l'Éden. Tiens quelque chose qui tout le monde peut rêver. Ça veut dire, vous pouvez imaginer, hein, senti bon, senti, il y en a couleur, jolie couleur, il y en a qui donne l'ombrage, il y en a qui amène aux fruits. Ça veut dire ça, l'image qui vous naît avec, c'est-à-dire un jardin idéal, nous tout nous. Il n'y a pas un seul du monde qui peut imaginer, même si ou dans le désert, avec ou camel peut tirer, comme vous pouvez imaginer, l'oasis. C'est-à-dire un endroit qui peut ressembler paradis, où on a de l'eau, où on a la plante, où on a jolis petits chantés, oiseaux, chanter la rivière. Ça, c'est son monde poétique. La poésie fait partie des jardins. La poésie est aussi nécessaire que la nourriture pour les humains. C'est pourquoi nous tous nous faire de manière qui nous besoin plante quelque chose. Chacun son petite version. Il y en a qui plantent rosier, avec joli petit la rose, même sans son qui va avec. Il y en a qui sont orchidées, quand même pas côté nous, mais il y en a, nous en a, en espèce endémique. Mais autres dire, ah ben non, nous pas capables, parce qu'il y en a cyclone, il faut casser la case. Ça veut dire, il y en a soi pour faire.
y en a aussi ça qui on a comme l'espace. Le limon n'a pas l'espace suffisant. Ça veut dire que je peux mettre leur balcon, leur la terrasse, plantes médicinales, plantes pour la cuisine, dithyn, cerfeuil, basilic, on connaît tout ça qui nous servait pour la cuisine. Mais ça, déjà, il rentre dans la poésie. Si vous comptez en plantes, vous comptez en limon. Si vous comptez en limon, vous comptez en animaux. Si vous comptez en animaux, vous aussi, vous pouvez respecter les autres. Ça, je crois, est une philosophie de vie. C'est pourquoi le travail qu'on fait autour des jardins n'est pas inutile. Je crois que ça donne de l'espoir au monde. C'est comme si une bouffée d'air, comme si un joli geste vers le bleu du ciel. Je trouve ça merveilleux, l'idée des jardins, que la télévision se donne la peine de communiquer aux autres. C'est un partage. C'est un partage très important. Et je pense qu'à Maurice, on est en train de le perdre au détriment du béton. Étant nous voyager sur la route Maurice ou qui arrive par avion, une fière, une jolie, tout pays vert, comme si ça un joli pays. Et nous peut complaindre. Ah, mais on n'a pas l'espace, ah, mais on n'a pas la terre, on n'a pas les temps. Toujours, il y en a du monde qui peut complaindre pour, juste à cause de paresse, pour ne pas essayer de faire quelque chose. Moi, je suis toujours admiratif dans ce pays qui n'a pas aucune facilité. Mais on a une plante. C'est comme si un quelque chose de vital, comme de l'eau. Ils ont besoin, comme si faire la prière, parler, santé. Plante est content les temps où santé. Depuis les temps petits, pas où apprend où. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode. Ça veut dire, depuis petit, dans le berceau, dit mon paix, santé pour la nature. Ça veut dire, si nous ne pas servis, ben, ça veut dire nous bêtes, nous oublier. Ça qui nous apprend depuis les temps, nous petits. L'avenir, nos enfants, ils dépendent l'or nous-mêmes. L'or, ça qui nous a dans nous la tête, ça qui nous peut admirer, ça qui nous capable arrête de consommer. C'est une attitude. Longtemps, dis-moi, tu es vraiment économe, tu dois bien faire attention. Tu dois ramasser plus sûr, tu dois ramasser la volaille, tu dois les animaux. Et rien n'était perdu. Aujourd'hui, nous on a plastique. Tout ça qui nous peut dire, à la fin, c'est une question d'argent. Dans le terme monétaire premier, ensuite en termes social et surtout son manière pensée. Il en mine ça. Il y a un lot de comportements, et moi crois si nous commençons par les enfants, si ils sont convaincus, ces enfants-là, ils peuvent faire les mondes des mains.